Général Kassongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le commandant de la police de la ville de Kinshasa. Un premier dossier, c'est ce contrôle qui commence. On parle de contrôle de permis de conduire, mais les Congolais se plaignent et disent pourquoi lancer ce contrôle maintenant, pendant que il y a des gens qui ont fait des demandes de permis, mais je vais même dire en lingala, bah permis, bah zo livreté pour la ligne générale Kasongo a lancé opération Wana Sikoyo. Je crois qu'il y a un malentendu, parce que les contrôles que nous avons lancés, ce n'est pas les contrôles des permis. Nous avons lancé d'abord les contrôles des véhicules avec gyrophare. Gyrophare, les véhicules avec plaque bâchée, les véhicules sans plaque. C'est ça le mobile de ces contrôles-là. Les contrôles des permis, c'est un contrôle pédagogique. Pédagogique, on n'interpelle personne pour ça. C'est seulement pédagogique pour dire aux gens, préparez-vous. Vous devez avoir les permis. D'ici là, le gouvernement va mettre les permis en marche. Et puis les gens doivent se préparer pour acheter les permis. Il y a des gens qui ont des permis, on a arrêté, on a interpellé personne. Mais on dit C'est que pas sur un le terrain, contrôle il y a des pédagogique. bavures, il y a des policiers qui interpellent comme la population n'a pas l'information. Non, écoutez, ce contrôle a été effectué par les commandants Saint-Germain, les commandants Siat, les officiers supérieurs uniquement. Et moi-même, j'étais sur le terrain, il y a eu à certains endroits là où j'ai trouvé des véhicules que j'ai libérés directement. Il y avait peut-être une incompréhension dans le chef de commandement, mais non, c'est les contrôles, c'est pour contrôler les véhicules bâchés, les véhicules avec plaque bâchée, sans plaque et gyrophare. Les contrôles des permis de conduire n'est qu'un contrôle pédagogique. On donne des conseils, on prépare les gens psychologiquement. On n'interpelle personne, on n'arrête personne. Deuxième dossier, c'est on est en train de voir la police disperser les femmes qui vendent dans les rues. L'ordre émane du général Kassongo, c'est quoi exactement Oui. le vieux limité? Écoutez, c'est l'instruction de son exemple, c'est le gouverneur, avec l'opération Kinibopeto. Les gens peuvent aller vendre dans des marchés, pas des marchés pirates. Sur les boulevards, les gens sont en train de vendre, on vit aussi de tout le monde, mais la police a été instruite pour disperser et arrêter ces gens qui vendent tout au long du boulevard, surtout dans la commune de la Gombe. Mon général, il n'y a pas moyen de faire cette démarche civiquement. Est-ce qu'il faudrait disperser, casser, arracher On a ou fait voire ça, brutaliser les Congolais? on a parlé avec ces gens-là plusieurs fois, les mamans, plusieurs fois. On a donné des comptes. Imaginez-vous, rond-point Mandela. Tu vois les sauts de moutons, rond-point Mandela. Oui. Il y a un supermarché. Juste à côté là-bas, il y a des gens qui vendent là-bas. On les a donné beaucoup de conseils. Ils y reviennent toujours au même moment. On ne brutalise pas. Mais alors, à un moment donné, on est obligé de saisir la marchandise. On saisit la marchandise et puis on défait acquis des droits. Parce qu'on a donné des conseils, on a parlé gentiment avec les gens. Les gens ne veulent pas comprendre, ils veulent seulement que la police use la force. Dernier dossier, il y a eu une marche aujourd'hui de l'AMUKA, des jeunes devant l'ambassade de du Rwanda, dispersée. On parle de plusieurs arrestations, dont un prince Epengé. On dit que l'ordre émanerait du général Kassongo qui les a arrêtés. Oui, le général Kassongo est commandant de la ville, j'assume, étant commissaire provincial, et commandant de la ville. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans un état de droit, et s'il a écrit au gouverneur, le gouverneur, c'est lui le garant de l'ordre public dans la ville de Kinshasa. Le gouverneur a répondu négativement et a instruit la police d'empêcher cette manière et d'interpeller toute personne qui va aller à l'encontre de cela. Nous sommes dans une situation de coronavirus avec la COVID, il ne faut pas avoir des attroupements. Nous avons été échoués. Alors, ces jeunes gens sont partis devant l'ambassade. Ils ont cassé, ils ont barricadé, ils ont même mis des pneus. Ils ont agressé les policiers. Nous avons un major qui est le commandant de la Gombe qui est blessé par des projectiles. Nous avons trois policiers blessés. On a interpellé ces gens pour entendre ces procès verbal parce qu'il y a eu des blessés, des blessures, il y a eu voie de fait. On ne les a pas arrêtés, on va les relâcher. Nous sommes dans une démocratie, les gens ne doivent pas profiter que la démocratie c'est dit n'importe quoi, les gens doivent faire. C'est un avertissement. Prochainement, ces gens, on va les envoyer au parquet. Aujourd'hui, on les a entendus se plaindre, on va les relâcher pour qu'ils ne puissent pas se faire victimes, on va créer des héros inutiles, alors on va les libérer. Mais prochainement, la police, ils iront de son droit. Et se portera à partie civile pour que ce genre de choses ne puissent plus se répéter. Nalingala, contrôle yaba permis et zalina mité,
contrôle et ça, il y a Bamituka, Baché, Bamituka, Jérôme Phare. Tout dans l'instruction, quand Bamituka, nous sommes allés Baché, Bamituka, sans plaque, Bamituka, et Jérôme Phare. Mon moni qui s'en sait comme nous donnons à ce moment-là, c'est que Jérôme Phare, Bakonzi, Alokuta, premier belé. Alors que Jérôme Phare est dans la catégorie, il y a Bamituka, il y a Bani. De, tout dans l'amical, mes colonies, on a contrôlé quand Bamituka, quand Bamituka, quand Bamituka, sans plaque, Bamituka, et Baché. Au moins, il y a un peu de temps dans la ville, il y a un peu de temps dans la ville, est-ce qu'il y a un peu de temps vraiment dans le boulevard? Tu peux dire conseil, ton lobby, ton lobby, ton lobby, mais tu ne comprends pas. Tu peux dire que tu as un peu de temps, tu peux dire que Zando, Bakangi, tu peux dire que Mike, Mike, Bak, tu peux dire que Bango, Bakangi, Balabal. Tu peux dire que Balabal est comme Zando. Tu peux dire que Bango, Bazoka, tu peux dire que Bango, Bazoka. Tu as un rompre Mandela Wana. Kakawana bijuti fru moko za magazi za wana kala kompo na tepeso kola za kwa mwana watoto kama lala hata yo moko na kote su de muto me ba pa pa sole kaiske wo mboka modeli ni polisi lobi le lobi ba conseil mama malala mama ba pom lobi su azongi sus lobi ko mikano kanga bilo ka mutu me mango da polisi oke na parke kila kwake eza na kote ya edite ya gouverneur. Yasuka marche c'est le mi contre rwandais ambassadeur rwandais. Bah, le but général, quand on voit Kangi, bah, Congolais, ou bah, zotele, mais l'étranger. Est-ce que ça, madame? Oui, mais que, monsieur, police, ils allaient qu'on sécurisait, bah, tout le monde, ça, ça, n'a pas. Aux à l'étranger, aux à la Congolais, et ça, monsieur, n'a pas. Alors, bah, tu as décidé, il y a un moment, n'a pas, bah, c'est un gars qui, dit qu'il ne sait pas, gouverneur, qui passe à la marche. Gouverneur, à Boy, à combien de bango, que Nicolas, il a contrôlé ma Covid, moi, il va s'en aller, moi, les athées. Bango va violer. Baka à l'encontre. Alors que les gens sont sur le gouverneur pour tout le monde. Bakomi Bakangi Zela, Bache Bapini la Balabala. Bada Bakadamo, Mong Bazoto Munda, Mong Balabala, Babongio, Jesu Moto. Babeti Mabanga, policier Bazoki Misato, Na Major, commandant commissaire Azoki. Et tu kangi bango? Non, mais tu kangi bango parce que non, on va violer l'instruction au gouverneur et puis des deux Bazoki se battent. Tu veux tout ça, mais ça bango, toi, et le connu et le kaki. Et Zali Kaka Verdissement, tu kotika bango. Mais prochainement, donc, il y a un police qui a produit une partie civile. Parce que le policier a zoki, le major a zoki. Il a un autre. 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 Message au commandant de la ville Azopé Sanabakino Nyonso pour nous construire ces années. Message à Bakino et Zali Koloba, bon sa la confiance dans la police, bon dénoncer Bakamonyonso et Ozoleka. Y a Mike Mike, Bandi Bakuruna, Mike Mike, Bandi Koyaba, donc le ministre, tout ça, troisième vague, y a Bakuruna Kalamingi de, va voir ton lettre, ton tika qui est à Bakomine, bon appel sur Bakombo, y a Bakuruna Batou Zabinoana, tout quand ba mener, ba tête d'affiche, tout ce qui peut Bakolo, ba toi, mito, ba tosa. Je refais. Par exemple, le Premier ministre,
président assemblée, président sénat, Bakondio Bayebani, ministre intérieur, ministre de la défense, et Sili. Mon général. Ok. Mon général, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur.